pourquoi ça faisait vraiment longtemps. Trop de poussière dans cette série. Et salut à tous. Je suis de retour, pas pour jouer un mauvais tour cette fois, mais juste pour signaler le retour de la série Dépoussiérage avec ce micro-épisode en compagnie de mon fidèle ami, Azuriel. Salut à tous. Et devinez qui c'est que j'ai retrouvé enterré sous 3 km de poussière. Ah oui, là c'est pas de la poussière mon pote, là c'est la crasse de... c'est tout ce que vous voulez. Donc je fais juste un petit retour du jeu pour bien vous montrer ce que c'est quand même. Je suis pas un salaud, ok. Oh, voilà. C'est tout ce que tu as sorti, une vieille Pokémon, une vieille version de Pokémon. Ouais, tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre, quoi. Pour qui tu me prends? Je suis un gros salaud. J'arrive plus à retrouver mes options. J'arrive plus. Même le jeu, il est tellement vieux qu'il comprend même plus les commandes. Non, il comprend. Tu m'as dit. C'est un bouton. Bouton perdu, monsieur. Vous voulez vous recommencer? Voilà, voilà. Ben voilà le titre du jeu. Robocop versus Terminator. C'est quoi? C'est un jeu où on est Robocop et on se bat contre Terminator. Pourquoi? Parce que ce que j'ai compris du jeu, apparemment Terminator est revenu dans le passé, mais dans le futur, mais en fait dans le passé, mais dans le passé de Robocop. Mais quel futur de Robocop? Enfin bref, c'est chelou. Et oh. Non, en fait, sort, j'ai rien capté, j'arrive très mal à la traduire. Moi en anglais, ça fait 14. Donc ce jeu nous est présenté et développé par, à l'époque, je précise, 1993. J'avais 2 ans, presque 3. T'en avais 9. Ouais, à peu près, ouais. Oh, putain, on est vieux en fait. Hey, 80... Mais, les mecs, ils sont nés dans les années 91, comment ça s'est servi, hein? Eh ouais. Putain. Enfin bref, 1993 pour ce jeu. Alors, il a été développé par Interplay Entertainment. Je sais, mon anglais est pourri, je vous emmerde. Et par Virgin Games. Oui, il faisait des Virgin Games. Oui, comme quoi c'est un peu comme Infogrames. Voilà, c'est tellement vu que tout le monde l'a oublié. Oui, Virgin a fait des jeux, ça leur est arrivé. C'était une époque lointaine et douloureuse. Je connaîtrais pas tous les jeux qu'ils ont fait sortir, mais il me semble qu'ils ont sorti de bons jeux. Si tu les connais pas, c'est que justement t'as pas remarqué. Je connais celui-là déjà. Hein. Oui, mais lui il est pardonnable. Moi, à l'époque, je l'avais sur Master System. Je m'étais régalé. On avait torché avec mon frère. On s'était battu aussi pour pouvoir y jouer. Et d'ailleurs, il faut savoir que ce jeu est sorti sur Game Boy, sur Game Gear, sur Master System, finalement, je l'avais, sur Mega Drive et sur Super Nintendo. Voilà. Alors, l'histoire n'est pas tirée par les cheveux, d'accord, hein. Une BD, enfin, le jeu est sorti par rapport à une BD du même nom. Ouais. Voilà. Puis voilà, on va y jouer et on va se kiffer dessus. Bon, alors. On va faire 2-3 niveaux, pas plus. Hein, voilà. Oui. Vous remémorez pour ceux qui ont déjà joué. Je sais pas si vous êtes vraiment beaucoup à avoir joué. Moi, je sais que j'ai joué quand j'étais gamin. Donc, surtout pour la bande son de qualité qu'on va avoir pendant ces 3 let's play. C'est 3 niveaux de pur bonheur. Ah non, c'est vraiment du années 90. Ah, écoutez-moi ça. Savourez. Oh oui. Je monte pas. Non, je monte pas le son, les gens. Je vais pas vous faire cet affront quand même. Écoutez ça, ce pur bonheur, cette pure, je veux dire. Cette pure purge. Nous, ça fait quoi? Ça doit faire une demi-heure qu'on l'a en boucle dans les oreilles, ça commence à me gueuler les tabans. Magie du tournage. Non, il faut dire si, on en est à notre deuxième prise. Alors, le blondinet là qui tire depuis tout à l'heure, moi je l'appelais Plash. Plaf. J'arrive toujours pas à jouer à ce jeu. C'est affreux. C'est affreux. Ah, je savais qu'il y avait des vies dans la fenêtre. Ouais. De la... C'est quoi déjà qui bouffe? Je crois que c'est des petits pots pour bébé, un truc comme ça. Qui? Robocop. Ah bon? Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Ouais, attends, là tu me parles de détails. En fait, faut pas oublier que Robocop, c'est un cyborg avec des parties humaines, hein, oui, ça, ouais. Tout ça. Et que Terminator, c'est une machine, hein, tout simplement. Hein. Donc oui, il reste... il se nourrit normalement, je crois, c'est des petits pots pour bébé dans la série et dans le film. Oui, c'est... Non, je parle de la série Robocop. Hein. Une série Robocop? Ah ouais, il y a presque 10 saisons. Ah ouais. Avec les trois. En gros, commence avec les trois films? C'est entre les films à chaque fois. C'est-à-dire en gros que t'as Robocop. Ah ouais, quitte à être pourri. Le film et qui a lancé la série, si tu veux. Ouais, donc quitte à être pourri jusqu'au bout, quoi. C'est. La série est mieux.
La série est mieux que le film? De mon point de vue, la série était mieux. Ouais, mais ton point de vue, bon, pas grand chose, donc du coup. Merci, sympa. Non, espèce de type qui vit dans la Moria là. C'est le réalisme. T'es pas content, la porte ouverte. T'es pas enfermé encore. Non, mais sincèrement, je trouve que la série est mieux déjà par rapport à l'histoire. Elle est un peu plus crédible, même si ça fait beaucoup plus gamin quoi. Quand tu vois le truc. C'est pas le gros blockbuster avec les explosions de partout, même si ça en a pas mal. J'allais dire c'est moins gore, mais je viens de me rappeler d'une scène où il part un type par les côtes à un crochet de boucher. Hein. Donc. Niveau gore, il y a de quoi, mais c'est vrai que même les dialogues, parfois, ça, c'est gamin, hein, c'est des séries à l'époque, quoi, les séries Z, on appelait ça, je crois. Alors, si vous me voyez tout le temps sauter, c'est normal, c'est parce que je me gourde le bouton avec le chien. Parce que j'ai sur clavier. Voilà, c'est ce que j'allais dire, en fait, il est sur clavier, on n'arrive pas à reconfigurer les touches, donc du coup, il joue pas avec la bonne main. Non, pas du tout. J'ai l'habitude de bouger avec la main gauche et faire mes actions avec la main droite. J'ai une question, ils font quoi les... cocktail molotov si tu les chopes. Je crois que ça te blesse. Si tu dis pas que si je me rappelle bien, il me semble que ça te blesse. D'accord. En fait c'est des faux bonus. Tout à l'heure en fait on s'est posé une question entre Robocop et Terminator, qui c'est qui gagnerait. Bah, je t'avais dit que selon l'époque, selon pas l'époque mais selon le Terminator, le Robocop excusez-moi, ça dépendait. Mais si ouais, on prend le dernier Robocop, je suis désolé mais ton Terminator il fait 30, il fait pas un pied. C'est clair. Après, si c'est l'ancien Robocop. En fait, j'aimerais qu'on fasse le débat sur les origines. C'est les originaux, c'est-à-dire en gros le premier Terminator qu'on voit, Schwarzenegger, et le premier Robocop. Qui est pas spécialement rapide, il est aussi très long. Pas... Ouais, mais il est quand même beaucoup plus mobile que ce robot version animatronique. Je suis désolé, ce mec, ce Robocop, c'est pas une animatronique, c'est pire que ça, c'est une concierge. Je vous rappelle que dans les films. Tu lui mets des haricots du maïs sur la gueule et puis c'est bon, je peux pas prendre une boîte de conserve. Tu peux le mettre dans le rayon frais de Super U. Hein. Je tiens quand même à rappeler que Robocop, quand il marche, il fait des bruits. Du style. Juste ouais. Pour vous rappeler. Terminator n'en fait pas. Si. Avec ses bottes. Ça va. Le ouais, silence c'était assez. Sa moto. Sa moto fait du bruit. Oui. Mais même Robocop prend une moto et fait du bruit. Mais je non, la moto de Robocop ne fait pas beaucoup de bruit, c'est dans le futur. Là, t'es du prend une moto classique, une moto avec gyrophare. Robocop? Ah oui. C'est pas une moto du futur? Non, c'est que sa voiture qui est améliorée. En fait, elle est juste blindée. Ouais, bah c'est que. Une jeune voiture blindée, j'en reviens avant. Déjà, ça me fait marrer. Je vois pas l'utilité que j'en ai, mais bon. Ça me fait marrer parce que dans la série, t'apprends qu'il est plus lourd que sa bagnole. Ah ouais, quand même. Que sa bagnole blindée. Blindé à la base. Mais bon voilà, c'est des. Ça m'a toujours fait marrer en fait. Ce genre de petite série, c'était un peu comme l'Agence Story, c'est des trucs comme ça à l'époque. Ouais, mais l'Agence Story, c'était classe. Ah, c'était marrant l'Agence Story, il faut reconnaître. Mais Robocop, il y avait ce petit charme de petite vieille série, bonne vieille série quoi, la con quoi. Ouais, mais Robocop. Vraiment... Après, moi, je suis pas grand fan de Robocop. De Robocop, putain, j'ai du mal à parler. De Robocop. Robocop. J'ai envie de fumer, tu vois. Je l'avoue, hein, je suis pas un grand fan, hein. Je préfère Terminator qui s'en fout. D'accord. Beaucoup plus charismatique. Ouais, mais tu sais très bien que moi, les animatroniques, ça passe pas. Oui. Mais je préfère avoir putain de Robocop en face de moi qu'un Terminator. Je préfère avoir. Putain, et j'ai vraiment du mal. Hein. Je vois ça, ouais. En fait, tu veux dire l'inverse. Voilà, hein. je préfère avoir un Terminator qu'un Robocop. Non, je préfère avoir un. Oui. Oh, je suis perdu dans mes propres. Oh là là là, je crois que je suis fatigué en fait. Je crois en fait que j'aurais pas dû reprendre YouTube. En fait, je vais vous avouer un truc, c'est qu'il marche sur pile ces temps-ci. Ah bah oui. Mais il prend 8 piles de A4. Et ça va être encore pire dans pas longtemps. De 4 cm d'épaisseur dans le cul chaque soir pour pouvoir se recharger. C'est pas la bonne époque ni le bon film. Je sais pas, ça me. Ouais. Je sais pas du tout, je suis complètement perdu. Alors, on l'a fait depuis tout à l'heure, il est arrivé. On l'a fait il y a 10 minutes, maintenant je suis complètement perdu. Tout à l'heure, depuis tout à l'heure, il est arrivé au boss en 2 secondes et il se faisait défoncer par le boss. Là, il est même pas foutu de le retrouver. Ah ouais, non, mais c'est atroce. Hein. Par contre, je suis en train de percuter un truc, c'est que c'est un jeu de 93, il n'y a pas de timer. Non. Ah, je suis choqué. Ça fait bizarre. Hein. Je suis choqué. Ça fait sans bien. Mais grave. Et puis, en fait,
faut savoir qu'à l'époque, les jeux avaient tous des putains de timers à la con. Ah, la plupart du temps. C'était horrible. Est-ce que c'était plus horrible de ce qu'il y avait dans les jeux? Peut-être pas. Ah, je sais pas s'il y en a qui l'ont fait, mais Highlander n'avait pas de timer non plus, c'était un des rares à l'époque et il était excellent. Highlander, il faudra peut-être le sujet d'un des poussières. Non, j'arrête de promettre des choses parce que ça fait des années que je... Enfin, ça fait des mois que je dors. Highlander, dans 800 ans, vous aurez le dépoussiérage. Non, franchement, je... Non, je prévois pas un dépoussiérage sur Highlander. Il s'appelle Redbud MacLeod. ça fait presque classe, hein. Du clan des MacLeod. Mais je peux plus m'appeler Redbud, tu m'as tué. Ah oui, c'est vrai, je t'ai buté. Tu m'as buté. Donc, enfin, Futur Redbud. Non, je peux pas. Son clone. Non, je peux pas non plus. Bon, on trouvera le nom au premier, hein. Pour le moment, je vais spéculer. Nya. C'est lui, mon enfer. Mon enfer, putain. Ah, t'es encore à vie, regarde. Puis il dure à sa laine, c'est vrai. Aïe, aïe, il fait mal, enculé. Il fait mal. Je suis pas un putain de pire Fallout, calme-toi. Aouh. Je me rappelle plus dans quel film. Je crois que c'est le 2, celui-là, ou le 3. Ben, le robot comme ça, c'est dans le premier. C'est pas celui qui tue tout le monde dans la salle de conférence? Si. C'est dans le premier. Premier Robocop, celui-là. Ouais, il me semble. Pour le souvenir que j'en ai. Je sais pas, c'est toi le fan de Robocop, pas moi. En fait, moi, je suis fan de Cyborg, surtout. Mais j'arrive pas à le passer, cet enfer. Attends, regarde. T'es presque à la moitié. Ça y est, t'as passé la moitié de sa vie. C'est déjà plus qu'avant. Tiens. Vas-y, non, là, tu le touches plus. Non, me cherche pas là, tu fais plus rien. Ouais, comme vous pouvez vous voir, la hitbox est spécialement étudiée pour que tu crèves. Elle est pourrie, la hitbox. Faut dire ce qui est. La hitbox du robot comme de la mienne, elle est pourrie. Je suis mort. Ah, j'ai perdu. Robocop TNNC. Enfin bref, voilà, c'était un mini dépoussiérage sur Robocop. En attendant le retour du vrai prochain épisode du dépoussiérage, peut-être un jour, si je me sens motivé. Parce que normalement, je t'avais dit que normalement le prochain dépoussiérage va être une nouvelle formule. Alors si vous entendez des bruits de cage, c'est normal. C'est mes animaux. On a enfermé Clinton dans une cage, il essaie de sortir depuis tout à l'heure. C'est mes animaux, n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal. Mais je t'avais promis un dépoussiérage avec une nouvelle version. Oui. Beaucoup plus travaillé. Oui. Mais justement, ça demande trop de travail et j'ai actuellement pas le temps pour faire ça. Mm-hmm. Mais bientôt, j'espère. Bientôt. Vous l'avez entendu, c'est limite une promesse, il a limite signé de sa vie. De toute façon, j'ai mis une dynamite dans son pantalon, s'il dit pas, je la déclenche, il le sait. Je tiens à préciser qu'un bientôt, pour moi, ça peut durer plus d'un an. Quand je vous ai dit pour Highlander, dans 800 ans, vous aurez le dépoussiérage, c'est à peine la vérité. Je pense que je serai mort, ou du moins j'espère être mort d'ici aux 800 ans. T'imagines, des croulants de 800 ans. Bonjour les enfants, aujourd'hui on va jouer à Highlander. Ouais, non, ça pourrait être très marrant. Ouais. Le mec t'a vu ça va y jouer à Highlander sur Def. Je joue pas, je fonds sur Highlander. Je suis en train de mourir. Enfin bref. Voilà, un mini dépoussiérage pour votre plus grand plaisir. Et pour le mien, parce que ça m'a fait plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao tout le monde.